Saint-Orient, mais oui, comment vas-tu? Oui, bon matin, le tabarnouche, là. Ben oui, je suis là, moi, depuis un petit moment à l'acte en Mike, là, quand t'as entendu arriver, là, quand t'es manifesté, j'étais à l'heure de regarder ça. Salut tout le monde! Un peu de lumière, ce sera mieux pour la caméra. Ouais. Les 73-51, Dandy 33-14, Bravo Charlie 33-01, Rémi. Alors, avant de prendre les micros, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes, hein? C'est pour mieux voir ce que j'entends. Avant de prendre les micros... bon, en ce moment, bon, on entend souvent parler du président Georges II avec son filtre, comment c'est, NRC ? Oui, je crois. Perso, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un filtre DSP. Alors, je ne sais pas ce que veut dire NRC, mais bon, dans l'utilisation, pour rester très basique... Là, sur le décamétrique, j'ai entre le poste et le haut-parleur un filtre DSP demi. Je vais l'enlever. D'accord, je suis peut-être pas sur la bonne fréquence. Une fréquence vide. Voilà. Tac. Là, je l'ai mis. Là, je le pousse. Là, je l'ai poussé au maximum. Vous avez vu, ça fait un effet aquarium. Voilà, là, on a un effet aquarium. En général, je le mets... Voilà. Je le mets comme ça. Pour un meilleur compromis. Et sur le Georges II, eh ben on se rend compte que ce NRC dessus a les mêmes réactions. Alors je serais curieux, il faudrait que je fasse une recherche sur internet, hein, sur les explications qu'il y a entre ces deux types de filtres. Test de connexion. Break pour Dandy 33. Oui, c'est copié pour Frangin. Dandy, Roland Rouchardine, 3-0-1. Validé, validé. Bonjour Pierre, 14 Roméo Charlie, 3-2-0. Pierre, comment vas-tu, mon ami? Ah, pour lancer un break, il faut sauter dessus. Bon, son poste est froid, là, Gilles. Oui, oui, c'est Gilles 3.5. Gilles 3.5, Pierre. Non, négatif, est-ce que ça fonctionne pas bien? Ben, si. En train de refaire des essais de couleurs. Alors là, c'est comme ça, j'aime bien, mais la caméra a du mal à gérer la mise au point. Et là, le petit bonhomme à droite, là, on voit bien qu'il est flou. Ouais, je vais rester comme ça. Thank you.
Il y a quelqu'un qui est passé sur le webs d'hier. Il est reparti. Désolé. Ouais, 55 tous les deux. Merci pour le retour de micro, les 73-51, vous deux, toi Jean-Luc et Gilles, de 14 Bravo Charlie, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le sud-ouest de France, avec un temps assez humide ici, et je crois qu'il y a 19-20 degrés par là, quoi. Ouais, 22 degrés, là, ici, là, exactement. Voilà. Ah ben, je pars au boulot tout à l'heure. Donc, ici, sur la 14, il est 15h15, passé. Et j'embauche à 19h. Voilà. Alors, attends que je regarde mon réveil. 19h, pour vous, ça fera 1h du matin quand j'embaucherai. Ah, tu vois, merci pour le retour du micro, les 73-51 retournés. Eh bien, c'est du 55, là, de mon côté, tu vois, là. C'est un peu plus faible qu'hier, mais bon, ça fait le yo-yo. Et j'ai un peu de caca, là, en fréquence derrière.
D'ailleurs, je t'ai envoyé une photo là sur Messenger là tout à l'heure là, de, un petit peu commencé de mon côté. Mais bon, ça va le faire quand même. Attends, zut, j'étais en train de faire un truc. Tu m'as retourné le micro, c'est ça? Oui, oui, monsieur. Ok, attends, deux secondes. Je suis en train de faire une connerie. Non, pas une connerie. Un truc de bien. Voilà, attends deux secondes. Voilà. Envoyé. Voilà, ça y est. T'as reçu une EQSL, Gilles. Non, toi, je viens de t'envoyer une EQSL. Hier, je l'ai zappé, mais bon, vu la quantité que tu as eue de ton côté, bon, je me suis dit, ça tombe bien, mais là, je viens de t'en envoyer une à l'instant, là, pour marquer là, ce début de saison. Alors, 9 Bravo Charlie, 2505, ouais, c'était pareil. Même report. Je me rattrape d'hier. 2 EQSL depuis que l'histoire DX est envoyé. Elle n'est pas aussi bonne la propague. Bon, j'ai pas lancé de double écoute.
vu comment c'est. Ah! Santiago 9. C'est meilleur vers le bas de la bande quand même. Et ils sont où? Ça y est, les EM du Québec sont tombés de leur chaise. Oh, il domine derrière. Là, j'ai poussé à fond le DSP. Non. Alors, NRC... Ah, ça y est. Ah, ça y est, de retour. Ok. Affirmatif, je serai en oiseau de nuit ce soir. Tu vois, là, la propague aujourd'hui est complètement différente. Hein, parce que là, ça avait complètement chuté. Je suis descendu faire un petit tour là vers le bas de la bande. Là, par contre, vers le bas du 27 mégas, ça passe à fond. Le canal 6, tout ça, ça passe à fond. Et dans cette partie-là de la fréquence, ça fait le yo-yo, c'est moins bon. Bon, on va faire avec, hein. Alors là, j'étais presque perdu. Santiago 2, là, de mon côté, là. Waouh! C'est. Et la radio à CQRP. Oui, prends tes vitamines. Vas-y, prends-les, tes vitamines. Donc, c'est vrai que là, waouh! Hey, chapeau pour les vidéos! Tu t'es lâché là pour une première fois! Au secours! Aïe, aïe, aïe! Ouais, ben oui, c'est ce que j'ai compris, ouais, en voyant justement là tes vidéos, là, surtout en allant vers les dernières. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça cartonne! Ça cartonne à fond! Bon, voyons s'il y a d'autres OM là en fréquence là, derrière. Parce que bon, là, je crois que le mot est passé quand même, que là, le 625 québécois est à nouveau actif. Donc voyons un petit peu s'il y a du monde. Yeah.
Il se mélange les crayons. Merci, QSY, s'il vous plaît, QSY, nous sommes déjà là en QSO, là, sur le 27625, au niveau du groupe Bravo Charlie. Ah, c'est un groupe qui se gêne pas de piquer des fréquences aux autres comme ça, attaque. Sans aucun scrupule. Pour la petite histoire, c'est effectivement ce qui s'est passé. QSY, please, QSY, la fréquence est déjà prise. Elle est vachole. Oh, ce bruit-là, ça balaye la fréquence. Ah, merci, au revoir. Merci beaucoup d'être passé sur la QRV, QSO journalier. À très bientôt, bonne route.
Affirmatif. Oh, pour que tu me repasses le micro, c'est que ça doit être assez calme. Bon alors, du côté Québec, comment c'est en ce moment là au niveau activité radio? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il y a des nouvelles stations là? Est-ce que qu'est-ce que tu fais en ce moment au niveau radio? T'arrives, t'as beaucoup de monde, t'es submergé, ça déborde de partout? Ah zut. Ok, ouais, donc là, tout doucement, tu vas commencer à préparer, à tout mettre en hivernage, on va dire. Là, bon, t'as encore, d'après ce que j'ai compris, les températures sont encore bonnes là de ton côté. Donc ouais, tout doucement, tu commences à préparer, à ranger. Pour passer un long hiver, c'est bien ça? Et voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Puis c'est pas une chose qui est vraiment agréable, hein. C'est pas une chose qui est vraiment agréable, mais nous, on s'adapte, hein. On s'adapte, depuis qu'on est venu au monde, on pense qu'on s'adapte. On se croit plus dans ce monde. Oui, les abris tempo, ensuite les souffleurs à linge et tout, les ailes à sortir. Ensuite, on va entreposer les tondeuses, les broussailleuses et tout ça, les bateaux, puis sortir l'abri tempo. Aïe, 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 aïe. Le ciel, il faut prendre le ciel dans un temps pour à l'extérieur, pour pas se ramasser sur le derrière. Ouais, c'est sûr. Et le bateau, tu l'as vendu ou tu l'as encore? Ah, je l'ai encore. Hein. Il a failli partir cette année. Là. Il y a un monsieur qui est venu, puis il m'a donné un dépôt. Hein. Et puis, il n'est jamais venu. Et puis, j'ai essayé de le contacter, il n'a jamais répondu. Alors, bien, j'ai gardé le dépôt, hein, comme de raison. Et puis, non, il est encore à vendre, mais bon. Et zut, j'ai pas vu, désolé, il y a une coupure vidéo, j'ai pas vu. Ah, c'est chiant ça. Bon ben du coup là on a pas mal papoté là, avec Gilles. Et je crois que c'est pas dans la boîte. Mais non, c'est pas dedans. Il nous parlait de justement au niveau de chez lui et tout ça. Qu'il est en train de commencer à ranger tout ceci, cela, pour aborder tranquillement l'hiver. Donc, au niveau des outils, ranger certains, commencer à en sortir d'autres, ou plutôt mettre d'autres en avant. Je l'entends derrière. Ah, là, ça c'est le Brésil. Les athées du Brésil.
Gilles, il y a quelqu'un qui est en train de voiler ton bateau. Frontière suisse. Ouais, je crois que c'est ça. Il y en a 5 nouvelles. Ah, pour les journées d'hier. Il n'y aurait pu y en avoir que 4. Mais plus longues. Ah, c'est trop petit, gars. J'aurais pas ce petit QRM que ça, que je, là j'arriverai à le sortir correctement. Thank you.
Là, j'ai enlevé le DSP. Aïe. Je l'ai remis. Marche bien. Ça marche bien. Et le micro. Oh, ça gazouille derrière. Oui, vas-y, Ah, j'ai cru entendre quelque chose, là, il y a un son grave, là, qui est passé. C'était peut-être de la moustache. Hé, Gilles, il y a quelqu'un qui est en train de voiler ton bateau. T'as des broussailleuses et t'as la neige. Cours vite. Ah si, voilà. Ah, chi, trois coups. Bon, il y a le Brésil qui est en train de nous envahir, là, derrière. Ah,
D'accord. Et il parle toutes les langues. Ça, c'est les bruits que j'avais cet après-midi, là, qu'on a entendu, là, le crépitement comme de la moustache. Et quand on regarde sur le web SDR, en fin de compte, non. Ça couvre toute cette partie haute, là, du 27 mégas. Pour ceux qui découvrent, quand ça fait ça, ça peut remonter d'un coup après. Ah.
qui font des QSO locaux. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui pestent les QSO locaux. Déjà, c'est la base du ACB, les QSO locaux. Le DX, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut pas prendre que la cerise, il faut prendre le gâteau avec. Bon, je vais pas tarder à passer en QRT. Je vois l'XYL qui vient d'arriver. Donc je vais passer plus en QSO local. Gilles, Jean-Luc ? Aïe. Oui, merci pour le retour de micro. Ah ben là, vous êtes tous les deux en train de tomber de la chaise. C'est rendu à Santiago 3, mais je sais que ça va très vite remonter tout à l'heure. Hein. Ça fait le yo-yo. Bon, j'ai un autre QSO qui va commencer, QSO local au QRA, Hachi 3 coups. Bon, j'ai l'XYL là, qui vient de débaucher, qui vient d'arriver. Je vais passer en QRT là au niveau du 625. Merci pour le QSO, les 7351 à vous deux. Amusez-vous bien de votre côté et à la prochaine. Demain après-midi, demain, si ça le veut bien. Merci, à plus. Ah oui, peut-être depuis le push. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié ça. D'accord, pas de problème. Tout à l'heure, quand je partirai au travail, je me mettrai sur la fréquence là, dans le push. Merci, à tout à l'heure, sinon à demain. Bon, je vais leur redonner l'antenne. Alors, est-ce qu'il y a du... Oui, il y a quelqu'un qui attend là sur le web SDR. Voilà, les EM sur le web SDR ont à nouveau la manteau Wabit. Et là, je l'ai branché sur la carte d'onde. La Sirio GPA 2745. Ça marche bien quand même. Hein. Certains la critiquent cette antenne parce que c'est une carte d'onde. Mais non, au contraire, elle fait bien le travail aussi, la preuve. Allez, les 7351 à tous, à plus. Oh. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.